À l'émission du jour, aux amis téléspectateurs, des détails sur les funérailles de Charles Jeudy, défenseur de la cause homosexuelle dans le pays d'Haïti, qui vivait enterré, journée qui était vendredi 24 janvier, ce passé-là, dans Port-au-Prince. Dans la deuxième tranche de l'émission du jour, à ne pas rater, notre seconde émission, Les Grands Rendez-vous, avec de grandes affiches pour la musique haïtienne, dans le week-end qui a vu. On se retrouve après la pause. Allstate Nursing Academy annonçait que l'inscription commençait pour prochaine classe de formation pour CPR et CLS, Home Health Aid, CNA, CMA, NCLEX RN, NCLEX PN, le 908-941-5343, jeudi, ou bien visitez site internet allstatenursing.education. Actuellement, inscription ouvrie pour Review RN avec LPN qui prend le State Board Examen en volontaire. Professeur qualifié expérimenté avec Master Degree a dispensé de classe review pour State Board là, près de 908-941-5343 jeudi. Pour les classes NCLEX AN, NCLEX PN, 60 jours de cours y inclus samedi avec $500 ou sous liste pour graduer. Pour les classes CPR, BLS et CLS y inclus samedi et dimanche avec $120 ou sous liste pour graduer. Et actuellement, inscription l'ouvrie pour prochaine classe AN cap thérapie très bientôt. Allstate Nursing Academy, école de formation professionnelle accréditée, lui offre crédit qui est capable de transférer dans le collège Chita dans 120 West 7th Street, dans suite 100 Plainfield, New Jersey. Téléphone 908-941-5343, site internet allstatenursing.education. Allstate Nursing Academy est la meilleure école de formation pour les professionnels de la santé. CNV Beauty, c'est un centre médical spécialisé dans l'utilisation laser technologie pour retirer fat dans le corps nous, messieurs, dames, et faire nous paraître jeunes, beaucoup plus jeunes que nous hier. Pour une consultation, relais 561-784-7014, CNV Beauty, dans 4849 L'Equiford, suite 200 dans Green Acres, Florida. Docteur Leroy Charles, médecin diplômé, paré pour consulter. Viviane Oscar Charles, nurses practitioner, paré pour assister. Refaites corps nous, mesdames, retirez fatio, améliorez le contour de votre corps, transformez votre vie dans un nouveau corps plus beau et plus solide grâce à la technologie au laser disponible dans CNV Beauty, 4849 L'Equiford, suite 200, Green Acres, Florida. Téléphone 561-784-7014. Online, visitez le site internet leroycharlesmd.com. CNV Beauty, le meilleur centre médical qui vous rend jeune toute la vie. Financial Services. Faut songer que le suite en 76, Mount Vernon Place dans New York, New Jersey, tout pareil pour le fil taxe sur le principe Internal Revenue Service pour qu'à gérer finance ou bien dans les yeux la loi. Il est 973 980 86 92 Jodia pour qu'à son rendez-vous taxe. Dans Maine Financial Services, il y a un service investissement spécial pour tout jeune qui n'a 21 ans. Avec $2,000 pour qu'à payer par mosso, Maine Financial Services garantit un return qu'à fait qu'il y a comptant en quelques années. Le 973 980 86 92 demandez pour Jamar Joseph pour un rendez-vous d'investissement. Dans Maine Financial Services, bien tout service noté public, life insurance, MoneyGram, sports agent, investissement dans real estate, réparation crédit, traduction documents, service immigration, enregistrement légal pour business ou et puis tout un bon service transportation. Maine Financial Services, 76 Mount Vernon Place, dans New York, New Jersey, téléphone 973-980-86-92, 973-980-86-92, avec Maine Financial Services, toutes affaires réglées. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion.
Amis téléspectateurs, c'est vendredi 24 janvier que se passe là dans Port-au-Prince, en présence notamment de ses proches, de dirigeants d'organisations de défense des droits humains, de diplomates internationaux, parmi eux un représentant de l'ambassade des États-Unis en Haïti, du Canada et d'autres missions diplomatiques accréditées au pays, que les funérailles de Charles Jeudi, président de l'organisation Courage, une organisation cap défend droit contre la discrimination, la stigmatisation et l'exclusion et la violence à l'égard des homosexuels dans le pays d'Haïti, t'es arrivé chanter dans Port-au-Prince. Nous rappelons que citoyen t'est retrouvé mort dans son lit dans des circonstances qui jusqu'à présent beaucoup claires. C'était le 25 novembre 2019 écoulé. Un drapeau haïtien et un autre drapeau symbolisant le mouvement des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes dans le pays d'Haïti t'est couvri le cercueil du défenseur de cette cause en Haïti. C'est un environnement émouvant avec des portraits, des fleurs, des larmes, des louanges que divers mouns te rendent un dernier adieu à Charles Jeudi. Colette Lespinasse, membre du programme citoyen engagé, t'ai expliqué que Charles Jeudi c'était un leader important dans cette organisation Courage que l'ITAP dirigeait. La profondeur des principes que l'ITAP défend, égalité, les droits de l'homme, la non-discrimination, c'est des bagailles extraordinaires dans un pays qui est difficile à expliquer. Colette Lespinasse, lui fait connaître que lui apprenne que je vous dis, là où on décide pour le défendre, il faut que vous allez jusqu'au bout. D'après ça que lui déclarait. N'après signalé que jusqu'à date, les résultats de l'autopsie de Charles Jeudi étaient inconnus, de même que l'enquête qui a été ouverte par la direction centrale de la police judiciaire. Nous rappelons que c'est lundi 25 novembre écoulé que Charles Jeudi, âgé de 34 ans, le militant de l'organisation Courage, cap défend des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes dans le pays d'Haïti, t'est perdu la ville dans des circonstances qui pas trop claires. N'a pas signalé que c'est journaliste de Radio France Internationale Amélie Baron qui t'a confirmé information ça sur son compte Twitter, là que t'a annoncé Charles Jeudi, militant mobilisé dans le pays d'Haïti, a été tué à Port-au-Prince. Youn moun qui proche Charles Jeudi fait connaître que l'hypothèse d'un empoisonnement capable toujours élaborer gagne l'autre monde qui fait quoi que c'est un assassinat qui va planifier selon sa capale dans l'entourage Charles Jeudi. Mais faut nous faire connaître que jusqu'à présent, enquête qu'il ouvrit pourquoi officiellement abouti. On a pu rappeler que l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a déploré le décès prématuré de Charles Jeudi. Nous regrettons sincèrement le départ de ce défenseur infatigable des droits humains et de l'équité en Haïti et nous croyons que sa mémoire pourra leur permettre que les valeurs et les principes auxquels il a consacré sa vie soient capables de rester dans le pays d'Haïti. C'est ça que t'es fait connaître l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince dans un communiqué. Le communiqué a été fini pour dire qu'il a présenté des condoléances aux amis, à la famille et aux collègues de Charles Jeudi. Le commissaire du gouvernement à Port-au-Prince a confirmé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles l'activiste haïtien Charles Jeudi t'a perdu la ville. Nous rappelons que Charles Jeudi est décédé dans la nuit du 24 au 25 novembre 2019 et gagné une enquête qu'il ouvrit par la direction centrale de la police judiciaire qui jusqu'à présent poco officiellement abouti. Encore une fois, l'hypothèse d'empoisonnement toujours été une possibilité selon information digne de foi. Jusqu'à date, aucune information disponible quant à l'origine du décès du militant Charles Jeudi, disparu mystérieusement à l'âge de 34 ans. Ici Jude Onseré, non pas M. Roupi, pour RPTV. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Restaurant côté tout le monde toujours bien manger, c'est Jacob Restaurant and Bakery qui est 80 Mount Vernon Place, Newark, New Jersey et qui a servi les meilleurs plats du jour tous les jours pour toute la communauté et ceci depuis plus de 30 années.
Dans la section Bécouillon, il y a bon pâté, bon pain, biscuit sec, douce tablette, bonbon lamidon, langue bœuf, gâteau. Enfin, mes amis, depuis ces pâtisseries en gros comme en détail, pour toute occasion, c'est placé order rapide dans 973 373 2939, Jacob Restaurant NBCRI, tout pareil pour service. Dans la section restaurant, les meilleurs plats du jour, chaque jour au menu. Déjeuner, lunch, dîner et souper au goût du client. Commande pour toutes les grandes et petites occasions, disponible pour tout le monde à la Ronde Badet. Jacob Restaurant, 80 Mount Vernon Place, Newark, New Jersey, ouvert tous les jours, de 9h du matin à 9h du soir. Téléphone 973 373 2939. 973 373 2939. Jacob Restaurant NB Cru, bon manger, pour qu'à bien manger. Choubou Enterprise annonçait qu'il traversait dans un nouveau local pour le cas bien servi ou dans le domaine taxes, assurances, crédit repair, immigration et l'autre encore. Au 9777-B West St. Paul Road, Coral Springs, Florida, Choubou Enterprise, Paris pour aider. Relais 754-229-2272, casse au rendez-vous dans Choubou Enterprise. Tax services tout à néant. Life insurance en bonne et due forme pour tout le monde. Crédit repair, immigration, TPS, bill pay, citizenship, traduction document, notaire public, transfert l'argent sous place avec l'autre service financier ou gain besoin, là pour là dans Choubou Enterprise, qui est dans 9777-B, West St. Paul Road, Coral Springs, Florida. Casse son rendez-vous avec Fritz Dorvillier ou bien Florence Léon, sortant des à toutes affaires réglées. Unlimited Dress and Styles qui dans 467 Main Street dans Orange, New Jersey, l'ouvre porte chaque jour pour la communauté évangélique. Là, belle rade pour habiller pour les grandes et petites occasions. Outfit pour gala évangélique. Habillement pour aller à l'église. Uniforme pour chorale. Rade pour usher. Convocation. Réveil. Ou bien qu'importe qui rendez-vous spirituel. Unlimited Dress and Styles. Chargé modèle dans 467 Main Street dans Orange, New Jersey. Téléphone 973-677-7562. Unlimited Dress and Styles. Il y a également chapeau, jupe, blouse, accessoires pour votre beauté et vos sorties élégantes. Prix abordable, livraison à domicile. Si vous dites qu'on tendez ou bien ouais, réclame ça, ou à bénéficier 30 à 50% de rabais. Unlimited Dress and Styles. Obtenez-nous dans 467 Main Street dans Orange, New Jersey. Vous pouvez choisir bel outfit ou ouvert du lundi au samedi de 10h du matin à 6h du soir, fermé le dimanche. Téléphone 973-677-7562 ou bien 862-704-6182. Website unlimiteddressandstyles.com. Unlimited Dress and Styles. Pareil pour le bien habillé pour toute occasion. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue dans les grands rendez-vous. Comme on connaît, les grands rendez-vous, c'est rubrique pas nous, que nous-mêmes dans RPTV nous inventer pour nous faire connaître tout ce qu'a fait dans South Florida. Même l'autre côté, aux États-Unis ou bien Haïti, nous capables dire dans le monde entier, parce que nous camenons n'importe côté plaisir à eux. Et nous braler ensemble avec eux. Premier grand rendez-vous nous gagnons, c'est l'église Sainte-Hélène Catholic Church qui a invité nous dans un carnaval familial. Carnaval familial d'ici au 9 février, c'est un coup, c'est un foire, un manège que nous t'ai dit, côté que n'a bien amusé nous depuis 6 jusqu'au 9 février. Avec petite nous, avec famille nous, tout le monde invité pour venir dans un bel rendez-vous. Ça. Nous réclamons qu'il y ait plus de détails. On regarde ensemble. Le Carnaval des Enfants 2020 est à Saint Helen Catholic Church and School de Lauderdale Lakes, Florida. Thursday, February 6 to Sunday, February 9. Carnival for all at the corner of Oakland Park Boulevard and 33rd Avenue, Lauderdale Lakes, Florida.
Messieurs, dames, la société, mais tout si moun yo vin célébrer, vin fêter, vin amuser yo. Bingo, rides, amusements, rime à gagner, music, food, flea market for all. Mes schedule Modern Midways, complete carnival dans Sainte-Hélène Catholic Church and School. Jeudi 6 février, 6h, 10h du soir. Vendredi 7 février, 6h, 10h du soir. Samedi 8 février, de midi à 11h du soir. Dimanche 9 février, de midi à 10h du soir. Once again, the schedule of Modern Midways Complete Carnival at Saint-Edith Catholic Church and School. Thursday, February 6, 6 to 10 p.m. Friday, February 7, 6 to 10 p.m. Saturday, February 8, 12 noon to 11 p.m. Sunday, February 9, 12 noon to 10 p.m. To participate à ce grand événement familial, $10 for 18 tickets, advance, $45 for all access, bracelets for 4 days, $15 for 18 tickets, at the door, $10 pour 18 tickets ou achetés à l'avance, $45 pour bracelet qui pour accès aux 4 jours sans restriction, $15 pour 18 tickets ou achetés à la porte. Pour information, rendez-vous jeudi à 954-731-7314. For information, please call now 954-731-7314 and come and enjoy Modern Midways Complete Carnival at St. Helen Catholic Church and School from February 6 to February 9. Deuxième grand rendez-vous, amis téléspectateurs, c'est pour moun ki remè en pile, côté que l'église Mont Carmel a invité nous dans soirée Roméo et Juliette. Bon, depuis m'di mot ça, tout haïtien konn ki sa m'a parlé. Roméo et Juliette, deux petits pigeons, c'est dans soirée ça yo invité nous, samedi 15 février à ne pas rater. Manger inclus, n'a pas amusé nous, mené ménage, madame ou même si on fi wap file ou ka menel tout. On garde réclame nan ka bon plus détail. On suit ensemble. Les membres de l'église Our Lady of Mont Carmel Apostolic Church vous invitent à célébrer la fête des amoureux à la manière de Roméo et Juliette samedi 15 février 2020 de 9h du soir à 2h du matin dans la salle de réception de l'église au 5031 Palm Avenue, Cooper City, Florida, entre Griffin et Sterling Road. Vin fêter l'amour, vin dîner, vin danser les plus belles chansons haïtiennes au rythme de DJ Fito venu directement de New York pour qu'à amuser nous au pas du compas. Samedi 15 février 2020, de 9h du soir à 2h du matin, rendez-vous dans 5031 Palm Avenue, between Griffin and Sterling Road, Cooper City, Florida, pour nous capables bien fêter l'amour. Admission, $45 par personne. Dîner, vin et soft drink inclus. Ticket à vente à l'avance seulement, narrez-les Sheila dans 954-993-2607 ou bien Josué dans 305-200-7470. Joyeuse fête à tous les amoureux. Troisième rendez-vous, amis téléspectateurs, c'est pour dimanche 16 février. Côté que nous tout avons invité dans Movisa, qui vient joindre Moon Miami. Movisa qui c'est Wedding Day, qui a passé pour nous-mêmes dans Miami. Une fois encore, nous venons inviter vous dans un bel programme ça. Et nous gagnons Princesse Georgie Cap là pour faire nous danser, chanter, musique nous aimons en pile là, qui c'est coq là. On garde le réclame là, qui a tout détail. Chaîne cassée, fois salut, nous poils mariés. À l'occasion de la Saint-Valentin, Radio Télémaster, chaîne 8.3 et Adjusting Expert présentent le film Wedding Day, le dimanche 16 février 2020, dès 6h du soir, à l'auditorium de FIU North, 3000 Northeast, 151e Street. Oui, papi. Maman a même discuté déjà. Nous allons vous partir à l'étranger. Wedding Day, un film de Guy Piochard réalisé par Samuel Vincent, mettant en vedette Hubert Van Saint-Hille, Smith Cassamajor, Balézine Georges, Mackenson Souffrant, Marie-Carmel Lindley, Guy Piochard alias Bateau et j'en passe. Est-ce que moi accepter prendre ma Guy pour épouse ou pour enchérir? I'm sorry, man. I can't. Wedding Day, à l'écran le dimanche 16 février 2020, dès 6h du soir, à l'auditorium de FIU North. C'est madame qui était là, remarquez que t'es là, Patrick. Sauf une fait là. Madame, ça autant pile. Enlevé de rideau, Georgie Metellus, a.k.a. Princesse Georgie, se produira en solo.
Notez que Radio Télémasters a profité de l'occasion ça pour l'organiser rencontre jeu de correspondance LIA. Admission $15 à l'avance, $20 au guichet, VIP $50, basket, fleurs et popcorn inclus. Infoline 786-230-0166. Cette projection de Wedding Day est un patronage de Furniture to Go, Best Choice Adjuster, Samuel Flowers et West Dixie Chiropractic Center. Menez tout le monde, joue ça avec nous bateau. Maintenant nous tous, I love you all. Dernier rendez-vous, amis téléspectateurs, son rendez-vous pour moun ki remè encore, moun ki remè en pile, Paul et Michel yo. Rendez-vous ça, c'est dans Crave Night Club, côté que Orlan, moun kap mande pou Orlan. Orlan ap nan taon nan pou vin fè nou reviv tout bon moment que nous même haïtiens nous te remè tande Orlan. Orlan, un spécial, m kapab di, occasion pour nous pas rater. Orlan kap vin chanter pour nous dans Crave Night Club le dimanche kap 16 février et puis dans même soirée ça à Osé Troubadour kap fait nous bien danser. Entendez le club nan, kap bon plus détail. Pas rater. Hall of Fame Production vous invite à fêter la Saint-Valentin dans une soirée odeur d'amour. Dimanche 16 février 2020, dès 9h du soir, à Crave Night Club de Sunrise, Florida. À l'affiche, l'étoile brillante de la chanson antillaise, Orlan, dans un tour de chansons d'amour. Vin chanter danser au rythme du répertoire de l'artiste Orlan. Dimanche 16 février 2020, dès 9h du soir à Crave Night Club. À l'intermède musical, DJ Crazy C vous invite à la danse. Et pour bien fêter au rythme du compas, à Osé Troubadour, à mettre ambiance jour les jours. Dimanche 16 février 2020, Orlan à Osé Troubadour. DJ Crazy C, le Crave Night Club. 4519 North Pine Island Road, Sunrise, Florida. Admission $25 à l'avance. Pour tickets et informations, relais Jodia 954-479-99-84. La soirée du dimanche 16 février 2020 est placée sous le haut patronage de la clinique du docteur Claude Bouze à Mary Belge, Learning Center, Caribbean Divas, les variétés de Sabine et Ben, Valmas Crémas, la clinique du docteur Alex Gay, la clinique du docteur Florence Foucault, la clinique du docteur Pierre-Richard Edouard, Roupi Production Television, Pitlist.com, 1580 AM, Radio Méga. La programmation de Roupi Production Television 2020 sur YouTube et Facebook. Tous les lundis, Opinion Pow, émission d'inspiration culturelle avec opinions et commentaires des artistes et du grand public. Tous les mardis, Opinion PAM, l'éditorial de la télévision sur un sujet d'actualité. Tous les mercredis, Panorama Social, vidéo documentaire sur les grands défis socio-économiques de la société haïtienne. Chaque jeudi, promotion totale, le marketing d'entreprises commerciales, d'événements culturels et soirées dansantes. Tous les vendredis, les grands dossiers politiques, traitement d'un sujet marquant de l'actualité politique haïtienne. Tous les samedis, Roupi Culturel TV Show, l'actualité culturelle en détail. Chaque dimanche, moment spirituel, mettant en relief les battements de cœur de la vie spirituelle. Roupi Production Television sur YouTube et Facebook. Chaque jour, soleil levé. Chaque jour, bon Dieu bail la vie. Pour publicité et information, 954-729-2214.